Today we will talk to the President of National Assembly of Western Armenia, Mr. Leonardo Basmadjian. Good morning, Mr. Basmadjian. Bonjour à vous tous. As we know, on October 9, you attended a meeting in Grenoble. Can you please tell us who was present on the meeting, who were the speakers, and what was the aim of the meeting? Merci de m'avoir interviewé. Donc, à Grenoble, il y avait une réunion autour d'une place dans laquelle les Arméniens se sont rassemblés pour demander l'arrêt des combats et pour demander la reconnaissance du Karabakh. À cet effet, je devais me rendre à l'heure et pour diverses raisons, pour aider d'autres personnes, d'autres parlementaires à mi-chemin, je n'ai pas pu arriver à l'heure. Mais j'ai pu malgré tout voir certaines personnalités de la communauté arménienne. Il y avait sur cette place toutes sortes de personnalités. Il y avait le maire, le préfet, des officiels de la communauté et il y avait aussi certaines personnes des organisations arméniennes ainsi que le prêtre de la communauté. Voilà, ça je tenais à le dire parce que c'est important que ces personnes soient là. Et lorsque je suis arrivé, j'ai pu parler avec le prêtre, avec la représentante de la Maison de la Culture et avec les gens qui étaient encore sur place et qui étaient en train de chanter. Voilà. As we know, you delivered a speech there. About what it was? Il y avait sur cette place toutes sortes de personnalités. Il y avait le maire, le préfet, des officiels de la communauté et il y avait aussi certaines personnes des organisations arméniennes ainsi que le prêtre de la communauté. Voilà, ça je tenais à le dire parce que c'est important que ces personnes soient là. Et lorsque je suis arrivé, j'ai pu parler avec le prêtre, avec la représentante de la Maison de la Culture et avec les gens qui étaient encore sur place et qui étaient en train de chanter. Voilà. Do you have other scheduled meetings? What can you say about the current situation both in Armenia and Artsakh? Actuellement, j'ai beaucoup de travail au sein du Parlement. Comme vous savez, je suis le président et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. Compte tenu que des soldats sont au front, mon investissement doit être entier. Je ne peux pas faillir à mon obligation morale. Et donc, s'il y a d'autres possibilités, bien sûr que je m'y rendrai. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais dès que c'est possible, je pourrai me déplacer sans problème. Je ferai le nécessaire pour pouvoir porter la parole de l'Arménie occidentale partout où qu'il soit. And in the end, what's your call or maybe wish to our compatriots? Ce que je désire avant tout, c'est qu'on puisse avoir une Arménie heureuse, amoureuse de ses terres, pour tout le monde, pour tous les Arméniens, pour tous ceux qui sont en exil, pour ceux qui habitent même là-bas. L'Arménie devrait être une, elle est dans notre cœur, une. Elle est peut-être divisée dans les territoires, dans les différents quartiers, dans les différents lieux, mais malgré tout, elle n'est qu'une. Et c'est cette culture que nous portons, c'est tout ça qui doit être mené de manière à que on puisse accomplir ce rêve qui est le nôtre. Donc, partout où je vais, je suis très regardant pour que vraiment on puisse accomplir ce rêve-là. Mr. Basmadjian, thank you for interview. Merci à vous, au contraire, et n'hésitez pas à me recontacter pour n'importe quelle autre situation. Merci
Merci à nos compatriotes et de cœur, je suis avec tous nos soldats.